Oui, Ombre, je te remercie, tous ceux au ciel qui font joindre. Moi, je te remercie, Seigneur, pour ta grande grâce qui est mieux de nous. Moi, je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Moi, je te remercie. Seigneur, ta parole, India, nous rend grâce à Dieu pour toutes choses et en toutes choses. Nous les rendons toi grâce pour jolie l'occasion que tu nous accordes, nous, Seigneur, pour être réunis de ta présence. Moi, je te remercie pour ta bonté. Merci pour ton bon ange. Merci pour tous ceux au ciel qui font joindre. Moi, remercie toi, Seigneur Jésus, pour la grâce de ton accordement et que Pasteur Vachard pour nous capables de servir toi. Seigneur, pour servir ta maison, pour servir ton peuple. Mais je te remercie, sa parole-là, Seigneur, c'est une parole infaillible de Dieu. C'est une parole qui a une puissance pour délivrer nous, pour libérer nous, et me donne-toi toute la gloire, Seigneur. Ne pas prêcher une parole avec persuasive word. Ne pas prêcher ta parole avec une démonstration celle de l'esprit. Et me réjouis-moi pour tout un joli témoignage que nous entendons, Seigneur. Oui, Seigneur, chaque fois que nous prêchons ta parole, moi, je te remercie. Un joli témoignage qui encourage nous-mêmes et qui montre et qui certifie, qui a testé encore et encore que Jésus-Christ il est présent dans ce que nous pouvons faire. Et moi, je donne toute la gloire, tout l'honneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez tout dans le nom de Jésus. Bienvenue dans le Victory Channel. M'invite Pasteur Vachard pour joindre nous. Alors, hier, nous avons Sœur Rima, Miss Rima, qui peut faire admin Zoom ce soir. Alors, bonsoir, Sœur Rima. Merci beaucoup pour tout l'aide, tout le soutien. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Moi, Pasteur Vachard, je vous dis bonsoir. Bon après-midi avant que nous continuions. Gloire à Dieu. Nous saluons tous dans le nom de Jésus. Bienvenue dans nos réunions les lundis à Victory Channel. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui sont connectés avec nous ce soir. Nous pensons qu'on est bénis par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu pour édifier, fortifier nous, pour corriger nous aussi, la fois que vous êtes corrigés. Et nous croyons que vous donnez un joli témoignage. Parce que c'est la parole de Dieu, la parole de nous aussi. Amen. Moi, vous commencez par un joli témoignage, justement. Moi, vous commencez par un joli témoignage. Tout la gloire est pour Jésus-Christ. Et quelqu'un qui n'a pas même, mais ça, en fait, une téléphonement, moi, je peux causer avec lui. À cause, nature de ce travail, il n'est pas où les mots faire mention de ce nom. Alors, moi, pour essayer d'un témoignage là, brièvement, sans faire mention de ce nom, ni de ce place côté travail. Deux ans de cela, quand tu fais que join l'église, moi, tu peux prêcher un message. Et dans un message là, un moment, l'Esprit de Dieu, tu me vois, prophétiquement, tu déclares quelque chose à l'atmosphère. Parive là que nous pour faire une interview avec les gens du monde, parive là que nous pour assister d'un panel, nous pour décider de la paix du monde, bon Dieu pour servir le peuple de Dieu dans sa qualité dimanche là, une connecter, une recevoir. Et cette semaine-ci, ou bien c'est moi qui ne fait qu'écrouler là de ce travail, il fait une interview avec 80 personnes. 80 personnes de l'île Maurice qui ont besoin d'aligner pour sa job spécifique en question là. Et il est à l'aise. Et chaque semaine quand on peut prêcher, nous avons besoin de dire qu'on a le bonheur, nous couvrir nos places, que nous travaillons par le sang de Jésus, nous prier. Pour toutes les affaires passent bien. Les amis, ils ont le bonheur, ils commencent à prier pour l'atmosphère. Et ça va, l'entretien passe tellement bien. À chaque fois, il y a une ingérence, une partie externe, pour ce type de travail-là. Les amis, pasteur, cette fois-là, c'est extra différent. Mon gain autonomie, mon, ils rendent grâce à Dieu. Parole de Dieu, ils peuvent faire ce travail. Amen. Avant qu'ils me continuent, moi, je voulais laisser la parole à nous, Miss Rima. Miss Rima, pour faire nous les annonces très, très, très importantes. Je vous demande de donner toute l'attention à l'annonce. Qui Miss Rima pour projeter dans l'écran et puis nous pour continuer. Vas-y, Miss Rima pour projeter dans l'écran et Pasteur Vacha pour faire les annonces. Excuse-moi. Miss Rima, vas-y, nous capable mettre ben l'annonce à l'écran et nous pour faire courir ben l'annonce. Vas-y, Pasteur Vacha. Comme annonce importante cette semaine-ci et pour les mois qui peuvent venir, bien sûr, nous avons nos réunions délivrance à mercredi là à LVD de Moka à 7h30 le soir. Nous pouvons aussi live, mais nous pouvons aussi en présentiel. Pasteur, il commence à insérer un message sur Dieu, il y a un Dieu de délivrance. Nous trouvons beaucoup de topics, comment bon Dieu a délivré nous de la crainte, de délivrer de bon masque. Et là, en ce moment, nous pouvons être délivrés de bonne manipulation. Amen. Et sa semaine-là. Pasteur Vacham, on peut interrompre pour un point de moment. Et nous avons dit, oui, je dis, oui, je suis d'accord avec ce que je veux dire. Quand bon Dieu finit de racheter nous, quand bon Dieu finit de délivrer nous, quand nous acceptons Jésus, et notre théorie dit, nous ne finissons délivrés de tout. Un seul coup, nous finissons délivrés de tout. De toutes affaires, nous finissons délivrés. Moi, d'accord avec ça. Parce que si un démon accepte Jésus aujourd'hui, demain, quand il est mort, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas délivré de toutes affaires, il ne peut pas aller au ciel. Il peut aller au ciel, lui. Mais, n'empêche que, parfois, un démon peut marcher avec Jésus pendant 20 ans. Nous peut prêcher un message aux manipulations. Après 20 ans qu'il peut marcher avec Jésus, nous ne faisons qu'un cas, il rappelle le téléphone, quelqu'un peut dire nous. Il trouve qu'il allait être manipulé par un démon qui prend ce véhicule, il n'allait pas encore payer. Il trouve dans sa langue. D'un côté, oui, nous d'accord, quand bon Dieu finit de délivrer nous, il finit de délivrer nous totalement, complètement, le sang de Jésus finit de faire travailler là comme un besoin. N'empêche que,
Et il a dit, même quand je peux marcher de la vie chrétienne avec le Seigneur, je trouve juste, il y a une trappe, il y a un trou, il y a un piège, il y a une affaire, donc je finis trouve juste une victime d'eux. Alors est-ce que bon Dieu vous dit, non, moi je finis délivré, toi, il faut aller très comme ça même. Bon Dieu pas pour faire ça. Alors, vous voyez bien, quand nous pécons à délivrance, ne pas dire que bon Dieu bâtit délivrer nous quand il fait une rachète. Donc, pas ça qu'il nous peut dire. Nous peut prêcher un message pour dire si arrivé, et n'a pas une circonstance, et n'a pas un événement dans sa, l'aspect-là dans la vie, ben Dieu est capable de définir de ça aussi. Voilà, c'est qu'il nous peut dire. Vas-y, pasteur Vachon. Et cette semaine-ci, pasteur, pour continuer ce message qu'on peut causer la délivrance, délivrer devant manipulation devant personne, ce serait nous partie 2. Donc, pour demander tous ceux qui, de l'église de Boca, bien sûr, je viens de l'église, et tous ceux qui sont connectés live, pour croire que la parole de Dieu pour bénir ceux qui font Amen. Jésus. Et prochaine annonce, nos prochaines annonces que nous prenons pour cette semaine-ci, c'est lundi le 24 octobre, c'est congé public à Maurice. Donc, pour ma tout congé public, nous avons besoin de la mer à 3h30 du matin pour une prière. Pareil, c'est ce lundi-ci, à 3h30 du matin, nous avons notre rendez-vous, bien sûr, en présentiel et live également pour une réunion de prière, 3h30 jusqu'à 6h30. Par exemple, pasteur Jean-Abdi, explique-nous, il n'est pas religieusement qui nous a la mer pour prier. Non, il nous a la mer pour prier parce qu'il nous peut faire une prière très tôt le matin si nous fallait d'un bâtiment pour dérange ben, du monde. Donc, nous avons fait à la mer pour nous aller, je peux souvent dormir, la réunion de prière. Et nous prier, nous passer un bon moment, la communion fraternelle aussi, mais aussi important. Ah, moi, je peux s'ajouter dans nos réunions de prière. Si nous connaissons si connaît dimanche, si nous connaissons lundi, nous besoin lever grand matin bonheur. Alors qui nous fait si nous connaît lundi, nous besoin lever grand matin bonheur. Dimanche, on a dormi plus bonheur. Ne pas dire nous connaît demain, nous n'a pas lever bonheur. Après dimanche, nous doit dormir plus tôt, qui capable. Nous on ne pas lever là. Alors nous finis programme nous comme un dit monde responsable. Nous connaît lundi nous prenons réunion prière 3h30 du matin. Nous faisons nous un devoir, nous finissons dormir plus bonheur pour qu'il nous capable lever. Nous mettons alarme, un alarme, des alarmes, trois alarmes si besoin. Nous lever. Au moment où nous lever, on sait ça fait dans nous lesquels nous besoin la prière. Deuxième affaire, nous disons, pasteur, nous avons des enfants. Bon, on ne peut pas dire petit baba, on ne peut pas dire petit bébé, pas ça, on peut dire. Les enfants, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ben, maman répond à moi, on les apprend à avion avec nos enfants. Je dis, oui, pasteur, on les apprend à avion avec nos enfants. Mais vous connaissez pas, il y a un avion qui allait décoller dans Maurice 2h du matin ou à un autre pays pour faire avion, puis il allait 3h du matin. Qui nous dit là, non, nos enfants, ça ne pas pour aller avion 3h du matin, nous pas aller, nous. Vous dites ça? Non. Il y a beaucoup les autres affaires qui que les enfants malades disent ce matin ou pour aller en hôpital. Il y a beaucoup les autres affaires d'un dimanche sur la vie que les enfants là n'emmènent parce que tu vas être béni. Alors oui, ou capable d'amener nos enfants. Puis je sais, demain parce que moi pas mes enfants moi aussi, moi dans une grosse jacket au lit ou mettre sur polo ou prendre précaution qui bizarre. Et mon frère me dit non allez vous prier. Que quand nous guetterons la religion, qui quand c'est dimanche les autres enfants se demandent c'est la journée à soi la pluie se demandent c'est tout à l'heure je connais qui m'a dit là. Je ne pas que des enfants pas enfants mais nous en tant que chrétiens. Hein, nous aurons tout prétexte qu'il besoin pour ne pas prier. Nous aurons tout prétexte qu'il besoin pour ne pas amener. Et mon frère Moïse, entraîne nos enfants dans le droit chemin. Amen. Vas-y, pasteur Vachon. Gloire à Dieu. Et nos prochaines annonces aussi, c'est à cette heure, nous finissons de lundi pour la réunion de prière. Nos prochaines annonces, c'est en novembre, deuxième semaine de novembre, le 7 novembre jusqu'à le 12 novembre. Nous prenons une réunion spéciale à l'église de Montagne-Blanche à 7h30. Amen. Le soir, bien sûr, pendant une semaine, une réunion spéciale. Gospel manifeste. Et nous pouvons mettre en phase là, comment nous faisons gagner des âmes. Gagner des âmes. Parce qu'il prêche beaucoup dans le message, comme il nous peut dire ces derniers temps, il prêche la prospérité, il prêche combat spirituel, warfare, il prêche la délivrance. Aussi important, c'est gagner des âmes à Christ. Amen. Et c'est ce qui est en phase que nous pouvons mettre pour une bonne speaker de l'église de Montagne-Blanche même et aussi nous surintendons pasteur Anil et nous pasteur Jean-Claude Poula. Alors, marque notre calendrier pour le 7 novembre jusqu'à 12 novembre. Bien sûr, l'église de Montagne-Blanche et l'église de Moka sont invités et ceux qui sont capables de trouver dans l'église, c'est bien la bienvenue chez nous. Alors, 7h30 dans le soirée. Dans la soirée. Hein? 7h30 le soir. Et nos prochaines annonces aussi, c'est nous peut faire un. Nous peut honorer plutôt. Man qui tient man signaux dans l'église de Montagne Blanche et Moka, ceux qui ont une finie 60 ans, ceux qui sont veufs, ceux qui sont veuves et ceux qui ont une famille, du moins à Maurice ou mes autres tout seuls, nous peut faire un déjeuner
à l'église de Mont-à-Blanche le 13 novembre, c'est-à-dire dernier jour nos réunions spéciales, et nous honorons Savant Kikenna. Vous voyez comment la Bible demande nous faire cela, honorer Ban Kiken, Ban Grand, Ban Veuve. Et c'est ce que nous pouvons faire. Ça peut donner aussi l'occasion à les jeunes de nous l'église pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris, comment honorer, comment servir. Bien sûr, nous sommes capables de prendre personne de nous l'église là pour honorer. Nous sommes capables de mettre dans un restaurant. Mais cette servante attitude, cette action de servir, nous battons pour la grâce pour faire les. Et voilà, c'est une occasion pour nous faire les. Alors, ceux de Mont-à-Blanche et de Moga. Stay tuned pour le 13 novembre pour peut-être participer de ce qu'il voilà, peut faire, ça banquet. Banquet. Yeah. Moi, j'avais une photo, mais je suis capable de mettre ça à l'écran, de mettre ça dans le slide, de projeter sa photo là un petit coup. Pendant que je me pose là, ça programme qui nous vient. On peut juste tous les années nous essayer de faire. Nous pas faire tous les mois, pas parce que nous pas capables, mais nous avons les autres activités. Mais une fois par année, nous essayons d'assurer que nous honorons tout le monde qui est ancien dans l'église. On passe à la chef indien, nous pouvons honorer tout le monde qui est âgé, monsieur, madame qui est âgé, nous pouvons honorer tout le monde veuf ou bien man veuve, nous pouvons honorer tout le monde single mother, nous pouvons honorer tout le monde du monde qui bon Dieu me donne le cœur, comme la Bible indienne nous faisons honorer. Alors, nous pouvons honorer avec un biryani, nous pouvons honorer avec manger, c'est-à-dire avec un déjeuner, après nous pouvons honorer aussi avec un cadeau. Pour un joli cadeau qui nous peut organiser, nous pouvons honorer un cadeau que je peux servir. Alors, ce serait pour l'église avec des Moka et de Mont-à-Blanche. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mobilement, c'est toujours capable de prier pour nous, soutenir nous. Ceux qui ont envie de contribuer financièrement, c'est capable. Nous pouvons pousser ce projet-là. Sans compter que nous, le 27 novembre, nous pouvons auditer un Octavier. Nous pouvons nous réunir, nous finir, faire tous les arrangements. Nous pouvons faire les réunions que nous pouvons faire là-bas, nous outreach, comme avant Dieu peut diriger. Mais Srima, nous pouvons mettre sa photo qui m'en a vu au WhatsApp là. Moi-même, par la grâce de Dieu, je gagne la grâce, Pasteur Vacha, pour connaître mon maman, son maman. Qui tu connais le Seigneur, après, moi, j'ai l'occasion que mon maman, son maman, son maman. Ça veut dire mon maman, son grand-mère. Je laisse Miss Rima mettre un petit coup dans l'écran. Vas-y, Miss Rima. Et nous apprenons depuis que nous, dans la maison, nous apprenons depuis très, très petit. Mon maman, finit montre nous comment nous faisons honneur, comment nous faisons donner respect. Ça va un grand monde qu'on appelle Dieu, un monde âgé. Et tous les temps, quand nous faisons une grande bénédiction, on donne la vie. Le peuple de Dieu, d'ailleurs, il y a un principe de la Bible, nous honorons nous les uns les autres. À différents, parce que c'est vraiment un souci, peut-être vers la fin de nos sessions, nous pouvons capables projeter. Vous avez trouvé une photo côté de ma grand-mère et grand-mère, ma grand-mère, son maman. Bon, anyway. Sans vite ordre, laisse-nous passer à la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole, parole de ta grâce, parole du royaume, parole qui a le pouvoir pour sauver nous, pour libérer nous, pour délivrer nous. Merci Seigneur Jésus, nous comptons ta parole fait nous dire bien, ta parole est encouragée. Merci Seigneur Jésus, tu causes avec nous tout qu'il a, Seigneur. Comment nous penser, nous lesquels, nous l'attitude, nous n'avons un captif à l'obéissance de Jésus. Un affaire, nous connaissons, Seigneur, de t'y avec ban disciples, de t'y peux confirmer ta parole, pas ban miracle, pas ban signe, pas ban prodige. Moi, je te remercie de ban guérison qui nous tendait, ban joli témoignage. Merci ban délivrance qui nous tendait, ban joli témoignage. Merci ban foyer qui nous restaurait, ban joli témoignage. Merci ban bon résultat qui nous tendait, ban joli témoignage. Merci ban témoignage finance qui nous tendait, arriver ban bon travail, ban ceux qui peuvent commencer à être passionnés pour lire la parole de Dieu. Merci à tout niveau, nous trouvons ban joli témoignage et à toi seul, sur la gloire, l'honneur, la puissance, le règne. It's all about you, Jesus. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. À partir d'hier, bon Dieu, fumé dans mon équipe pour commencer à insérer un message sur la patience. Alors le matin, moi, j'ai causé la patience, moi, j'ai appelé The Rainbow Patience, comment dans le contexte de Noé, Noé, tu faisais exercer la patience. Et là, dans l'après-midi, moi, j'ai fait une cause de The Prince Patience, dans le contexte d'Abraham, comment Abraham tient du monde patient et ben, ça fait concernant, qui est intéressant concernant sur la vie. Ce soir, on parle de même élan. Ce soir, on parle de même élan. On va causer un petit peu la patience de Dieu, ou bien plutôt, plus précisément, la patience de Jésus. Avant que nous continuions ce verset-là, nous tiquons Jacques chapitre 5, le verset 7. Jacques chapitre 5, verset 7. La Bible dit, nous disons patients. Soyez patients. À deux reprises, il dit ça. Le verset 8 aussi, il dit, soyez patients. Des fois, la Bible dit ça dans même, plus ou moins même chapitre, 20 verset un peu près. Nous disons patients. Elle va nous expliquer comment, même bon Dieu qui nous dit à nous, nous sommes remplis de joie, remplis du Saint-Esprit, remplis avec la foi, remplis avec sa présence, la paix. Mais même bon Dieu nous dit à nous aussi, nous sommes patients. La patience est primordiale. Dans beaucoup de carrières de la vie, nous sommes patients. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, travail, ministère, foyer, n'importe qui est capable d'aider, nous sommes patients.
nos enfants, nous avons un grand monde, nous avons un mari, nous avons un banque mari, nous avons un travail, puis un travail. À tout niveau, nous avons besoin de la patience. Ou une madame ou un monsieur, nous avons besoin de la patience. Et puis, mon père l'État explique aussi la différence entre patience et persévérance. Moi, tu ça. Vas-y, parce que Vachanek est là-bas un petit peu, là, quand tu es là-bas, nous donne ça des différences entre patience et persévérance, en l'endurance. Oui, pasteur, tu expliques-nous comment l'endurance, c'est une affaire active, c'est une affaire qui nous fait physiquement, nous fait faire des efforts pour faire des paroles. Moi, la Bible dit nous, nous run the race with endurance, mm-hmm. parce que nous parcours, nous course. Course, amen. Contrairement à patience, patience, c'est une quitteuse passive. C'est une attitude que là, nous peut quitter tout dans la main de Dieu, nous peut dire, Seigneur, ok, mon quitteur est dans la main, amen. Mon patient, mon bizarre atteint, ok, amen. Mon patient. Amen. Alors, t'as l'air comme vous pouvez étudier mon message, et nous avons l'exemple qui bon Dieu fin de moi pour mieux expliquer sa différence. Mm-hmm. Persévérance veut dire, moi, mon père, je vais ces affaires-là. Mm-hmm. Sorry, l'endurance. L'endurance, c'est moi, je peux faire des efforts pour aller vers sa bulle, je peux faire des efforts pour aller vers sa quelque chose. Contrairement à la patience, modèle mode, je peux attendre des affaires là pour venir. Tous les deux, nous besoin. Dans différents carrés de la vie, dans différentes quelque chose qui nous peut attendre de la part de Dieu, nous besoin tous les deux. Un jour, il y a pour galper dans les courses. Il n'est pas carré sur place, il dit, je peux attendre l'année d'arriver là, viens vers moi. Il n'est pas carré dans la patience, après, il dit, je peux attendre l'arrivée là, viens vers moi, je peux attendre la médaille là, viens vers moi. Il va marcher là. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient l'endurance, galoper, veiller à ça quelque chose. Un enfant qui peut composer l'examen, il n'est pas capable de dire à son maman, il va bien attendre, parce que c'est une cause patience, il va bien attendre patiemment pour un bon résultat là. Hey, levez à l'apprendre là, hein, monsieur, madame, à faire son enfant, elle fait au devoir, elle fait au assignment, elle fait au bon affaire. Ça, c'est quoi? L'endurance pour gagner ça. D'accord? Maintenant, une cause à patience. La patience, Seigneur, il va bien attendre que ma famille compte toi. La patience. Il va bien attendre, Seigneur, telle guérison dans mon avis. Je vais attendre, Seigneur, je vais trouver temps, je vais attendre. Nous avons besoin de tous les deux. Personne ne peut dire, moi, je vais besoin de la main droite. Nous avons besoin de la main droite et de la main gauche. Et dans un moment où vous avez besoin d'être persévérant, avec l'endurance, et dans un moment où vous avez besoin d'être patient. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un peu mieux, clair? Gloire à Dieu, merci Jésus. Et aujourd'hui, moi, je vais vous donner un verset. Bon, nous avons dit ça la dernière fois, mais ça, je vais vous donner ça dans Romains 15 et le verset 5. Romains 15 et le verset 5, la Bible dit, nous servir Dieu, il appelle lui-même le Dieu de patience. Il est clair, title qui bon Dieu, non, c'est le Dieu de patience. Parce que chacun a dit pour moi, s'il vous plaît. Moi, je vais dire les deux versions vigoureuses. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne donc wow. d'être unis de sentiments les Amen. Uns avec les autres. Cause de Dieu de patience et le Dieu de consolation. Et nous, nous faisons cause de Dieu de consolation. Donc, quand nous cause de consolation. Là, les causes de Dieu de patience, regarde comment Miss Rima fait une highlight ça, l'écran. Dieu est un Dieu de patience. Si vous avez la patience, ou pas pour gagner avec la boisson. Rhum, cigarette, le péché, ben, ça fait de ce monde. Pas avec ça qui vous gagne la patience. Pas avec, copain, copine, casse une pause, donc, dans la boutique, dans le bazar. C'est pas comme ça qui vous gagne la patience. La patience, vous pouvez gagner, mauvais monseigneur, avec Dieu. Puisque Dieu est un Dieu de patience, et qu'à donner la patience qui vient. Et personne ne peut pas épuiser toute patience qui est dans le bon Dieu. Si bon Dieu n'a pas ou pas ordonné du monde 7 fois, 77 fois, si bon Dieu n'a pas fait ça, parce qu'il aime les cas faire ça avant. Mon frère, monsieur, bon Dieu n'a pas besoin de faire des affaires qu'il aime les pas faire. Amen. Alors, avec sa pensée-là, laisse-nous guider 1 Timothée, chapitre 1 et le verset 16. Et maintenant, nous pouvons concentrer plus dans le topic ce soir. 1 Timothée 1 et le verset 16. Je retrouvais de sa verset-là, il dit, Jésus-Christ, il montrait patience, beaucoup patience, Jésus le montrait. Vas-y, Pasteur Vachat. Mais j'ai précisément obtenu miséricorde afin que le Christ Jésus fît voir en moi le premier toute sa patience pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiront en lui pour posséder la vie éternelle. Ok. Dans version vigoureux. Guide-moi pour me lire dans la Bible Chouraki. Je ne sais pas si c'est dans la Bible française qui dit « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je puisse servir. » Ok, celui le mot longanimité. Le mot longanimité en français aussi veut dire patience. Je ne sais pas si c'est dans la Bible, ce Miss Rima et dans la Bible Chouraki. Guide-moi pour me lire dans la Bible Chouraki. Mais à cause de cela, j'ai reçu la grâce. Ou avec moi, nous ne sommes pas de la même affaire là. À cause de cela, moi, avec vous, nous faisons recevoir la grâce. Qui nous faisons recevoir? La grâce. Pour qu'en moi, dans moi et dans où? Le premier, Yeshua le Messie, montre toute
sa patience. Ah bon? Ça veut dire, bien arrive un moment dans chaque la vie d'un chrétien, dans nous, nous bien capable trouver la patience de Jésus. Voilà, voilà. Qu'est-ce que Misri m'a filmé dans la Bible? Dobby, dans la Bible Dobby. Vas-y, dis un coup, Pasteur Vacha, la Bible Dobby. Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir afin qu'en moi le premier Jésus-Christ montra toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Amen. Vous trouvez ça? Les causes aussi, comment? Les causes de la patience de Jésus, qu'est l'exemple. Donc, là, je suis content de la Bible. Et merci, merci, mille merci à tout le monde qui permet moi et une version de la Bible. Ça aide moi beaucoup, comme on peut préparer mon message, que le Seigneur bénisse. Les gens disent, moi, un chef, moi, besoin qu'il y ait des affaires, je peux demander un ingrédient pour rendre ce qui m'a fait plus intéressant. Que le Seigneur bénisse. Mon vrai, il dans la Bible vigoureux, il dit, Yeshua le Messie, qui nous montrait toute sa patience, comme un exemple, en exemple pour ceux qui viennent à l'adhérence à lui, ou bien qui peut suivre, qui accepte lui, et qui peut dans la vie éternelle. Est-ce qu'il est dans la vie éternelle? Oui. Est-ce qu'il peut suivre Jésus? Oui. Est-ce qu'il connaît la patience de Jésus? Est-ce qu'il connaît la patience de Jésus? Et moi, nous savons, moi, Pasteur Vachan, nous savons les causes beaucoup ce soir de la patience de Jésus. Et tout ce qui nous peut élaborer, nous peut étaler devant vous, ou pour trouver, à un moment donné, pour capable de relate, ou pour trouver, eh, ouais, ça, moi aussi, vous pouvez faire face à cette situation-là. Ah, ben, Jésus, si tu fais face à la patience, ok, nous pouvons causer un petit peu l'eau, là. Peuple de Dieu, depuis qu'il nous naît, depuis d'avant nos mamans, nous patients. Et nos enfants, depuis d'avant son maman, les patients. Les patients pour sortir. Depuis d'avant son maman. Quand nous naissons, nous patients, quand nous mamans pour nourrir nous, nous trouvons beaucoup parmi nous, hein, nous exerçons la patience dans certaines mesures. Dans nos éducations, dans nos la vie, quand nous perdons à case, quand nous peintirons, dans nos ministères, dans nos mariages, dans nos travail que nous pouvons faire, quand nous donnons un travail pour faire, nous avons la patience. Dans beaucoup de domaines, nous les trouvons la patience. Et aujourd'hui, nous avons nous aider à couder dans la vie de Jésus. Comment est-il patient? En passant, Jésus, tu fais parole. Dans Jésus, c'est parole. Comment du monde tient, Pasteur Vincent? 12 du monde. Jésus, tu fais la paix pour du monde. Moi, je cause notamment ça 12 disciples qui te suivent, qui te quittent tout pour suivre Jésus. Et pendant qu'ils te suivent Jésus, bien sûr, tu es un trésorier, tu es un ministère de Jésus. Et ben là, tu peux suivre Jésus. Alors là, nous avons une cause rapidement des trois bonnes affaires, première base. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Jésus, tu fais face à un cyclone. Je suis d'accord. Jésus, tu fais face à un cyclone. Est-ce que Jésus est impatient dans un storm, dans un cyclone? Non. Jésus, il montre qu'il est patient. Plus j'ai tempête, il vient. Physiquement, littéralement, moi, je peux dire tempête là. Hein? Un jour, Jésus peut dormir, tempête lever. Un autre jour, Jésus peut prier, trouver une tempête, une trappe, il enroule sur un disciple, quand il allait le bateau. Jésus, c'est la patience qu'il faisait. À cause des temps, je ne vais pas pour montrer ce verset par rapport à ce qu'il m'a pu dire. Je suis capable de dire même, d'aller nous pour vivre du sujet concernant le verset. Parce que Vacha, qui connaît patience, Jésus est non. Jésus peut prier le montagne. Cyclone, il est levé là-bas. Et bien là, dans cyclone. La Bible dit à Jésus, il galopé aller. Qu'est-ce que la Bible dit? Si m'a aussi tu allé. Si Jésus tu galopé, tu allé, qu'est-ce que tu peux dire? Vite, 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 il est impatient, dégazé, il a envie de sauver. Ben mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as aussi tu allé, tu m'as aussi. On ne va pas dire n'importe quoi sur les temps, hein, on ne va pas dire ça. On va dire, Jésus, tu meurs aussi, l'eau de l'eau. La Bible même dit, ben là, tu trouves un. Jésus peut meurs aussi, ben là, tu crois un fantôme. Dans cyclone, ou besoin de patience. Alors, quelle différence vous pouvez donner en persévérance, entre l'endurance et patience? L'endurance, c'est toi, tu es capable de contrôler une situation autour de toi. Toi, tu es capable de déterminer. Par exemple, quand tu peux galoper, toi, tu es capable de déterminer qui vitesse tu as envie d'aller. Toi, il a tout contrôle. Quand tu n'as pour faire projet, tu n'as pour faire assignment, tu n'as pour apprendre, il doit te contrôler ça. Combien, par exemple, tu peux faire aujourd'hui, il doit te contrôler ça. Et demande ça fait qu'il doit te contrôler, tu es capable de faire mieux, tu es capable de faire plus, tu es capable, il doit te contrôler ça. Appelle ça l'endurance. Il doit te contrôler, tu as fait encore c'est faux. Tu as fait encore c'est faux. Quand il demande ça fait qu'il y a deux autres contrôles, par exemple, un cyclone. Est-ce qu'un cyclone, il doit te contrôler? Non. Quand ça fait, quand beaucoup de choses ont des autres contrôles, c'est pas l'endurance qui te besoin, C'est la patience qui te besoin. Et la COVID partout une fermée. Pas dire maintenant l'endurance, non, là, c'est patience qui te vient. Tu veux qu'on parle en pensée, là, hein? Allez. Dans le cyclone, nous trouvons Jésus qui tient nos frères et sœurs? Patience. Qu'est-ce que l'on est venu à la vie? Patience. Deuxième. Jésus, il naît, que ça, Jésus finit par ce verge-là? Étable.
Manger. Quand Jésus est dans les tables, qui tient à côté? Moi, je peux envoler? Qui tient à côté? Moi, pourquoi ça, les tables que Jésus tient là, tient à mort, bon, bah, il y a qu'on. Bon, tu as des animaux tout autour. Tu as un bruit de bons animaux. Un bruit de bons animaux. Vous êtes l'odeur. Pas nécessairement hygiénique. Parce que ce n'est pas nécessairement hygiénique. Voilà. Patience. Jésus qui quitte tout dans les ciels. Jésus qui quitte tout, tout, tout. Et Jésus n'est pas tient baba comme un tout baba. Jésus n'est pas tient bébé comme un tout bébé. Moi, vous dites, qui fait? Vous ne connaissez pas ce chat qui bon, j'ai le montrer moi. Quand nos bébés pour finir, nos bébés jamais n'est dans la terre. Nos bébés jamais trouvent la terre. Nos bébés jamais, nos bébés pas connaît qui peut attendre lui. N'importe qui bébé n'est là sur la terre là, il pas connaît what is waiting for him on this earth. Mais Jésus. Il est là dès le commencement. Il est là dès le commencement. Jésus, il connaît bien corrompu qui la terre était. Il connaît bien méchanceté qui mange du monde était. Il connaît bien ça la terre là, et il y a du monde qui trahit, il y a du monde qui pour vendre, il y a du monde qui pour juste manger du pain. Il connaît lui. Comment un système aussi, ça du C1, un système pharisien, comment je peux négocier pour. Il connaît lui. Mais même ça, il choisit pour venir seulement. Jésus, il passe un baba comme un tout baba. Et lui, Jésus qui goûte tout sa merveille dans les ciels là, il choisit, il continue. Dire, ok, je vais vous donner des affaires. Pour un moment, ça, que tu peux rester qui coulait, que tu peux rester pas encore pas tiré, que tu peux rester n'importe qui challenge capable et non là, mais juste pour un moment, vous avez besoin de patience. Pendant un moment, que nous nous vivons dans, nous tenons la cuisine maçonnée, maçonnée, peut-être à ta façon, va pendant un moment, ça. Pendant un moment, comme mon papi, tu rentres à la maison qui nous était en bas là, pendant un moment, ne pas te dans la porte, et là, nous te mettons un gros tôle, un gros là, tôle, après nous te calions avec un dibois, avec un bloc. Pendant un moment, ça. Amen. Aussi, par référence, mon petit bon courage, prends patience. L'autre-là, puis en panne, prends patience. Très bientôt, très, très, très bientôt. Bon Dieu, donne-nous les meilleurs. Prends patience. Un autre exemple, c'est quand Jésus est à la cour. Parce que ça où qu'il est à la cour, parce que tu domaine de qui on apprend, domaine de qui on exerce dans le passé, quand tu as fait pupillage, ainsi de suite. Vous avez patience à la cour. Comment nous avons patience dans la cour? Et, premièrement, pourquoi nous faisons si la salle que nous faisons la salle là même si pas libre. Ouais. Donc, nous attendons le tour. Nous attendons le tour. Nous faisons rôder premièrement dans qui la salle. Nous faisons rôder dans qui la salle nous était. Ouais. Donc la patience, parce que nous faisons check sa pour checker que nous avons été. Pour faire arriver un quelqu'un venu sur homme de la banque ou venir. Sur homme de la banque ou venir, c'est bizarre. Parce qu'il y a des péricotables dans l'autre cas, whatever. Magistrat de banque ou venir. Bizarre. Et il y a un moment stressant pour tout le monde. Un moment stressant. Mais il y a besoin de la patience. Il y a besoin de la patience. Il y a besoin de la patience quand il peut passer devant les choses. Même devant les juges. Devant les autres du monde, écoute devant les gens. Oui. Du monde peut dire, pour attendre son verdict, mais il y a besoin de la patience. Ce n'est pas nécessairement même de pour gagner. Mais Jésus tient la cour. Jésus tient la cour. Dans Marc chapitre, on vous donne sa référence, hein? Dans Marc chapitre 15, Marc chapitre 15, vous trouvez que quand on est prend Jésus, vous trouvez ça dans Marc chapitre 14 aussi, verset 53 à suivre. Ben là, prend Jésus, amène Jésus dans la cour. Marc chapitre 15 aussi, vous trouvez, ben là, amène Jésus dans la cour, pour condamner Jésus, ainsi de suite. Jésus, c'est la patience. Comment, mon frère, monsieur? Là, mon pécho, c'est que je ne pas connaître qui dit mon et la cour. Je dis quoi avec vous? Prends l'exemple de Jésus. Il tient une caisse la cour, il tient la patience. Il tient la patience. Prends patience. Qu'est-ce que ça pour casser dans le nom de Jésus? Qu'est-ce que ça pour donner en faveur dans le nom de Jésus? Dieu pour faire des choses merveilleuses dans en faveur. Sa qualité bon Dieu là nous servit Jésus, il est avocat. Vous entendez comme on dit? La Bible dit ça, Jésus est avocat. Prends patience. Elle ne pense que Jésus, tu prends patience, c'est de la croix. La croix. Si j'y attends, il y a la croix, il y a un peu de l'outil, il y a un peu de crassoli, il y a un peu de riri, il y a un peu de bouffonni. Ah, patience, ça, Jésus-là, non. Témoin, il y a patience. Du monde peut causer, il peut souffrir, du monde peut causer, il prend patience, il cause que il y a un. Oh, d'accord, pas casser la tête, je n'aime pas avec moi dans les ciels, ok? Il peut souffrir, là, il peut prendre patience. En bas, il y a un mari avec un Jean, Jean et Marie, en bas, il peut sur la tête que il y a un Jean. Après, tes autres, dis, prends, regarde, comment tu maman, mais prends bien soin de lui, là. Correct, là? Correct. Jésus, c'est la patience, même, là, quoi? Là, quoi? Ça brigand, là, qu'est-ce que tu peux dire, lui? Ça, le méchant, mauvais brigand, là. C'est le
Sauve-toi, sauve-nous-mêmes. Ouais. Et Sauve-toi, sauve-nous-mêmes. Sauve-toi, sauve-nous-mêmes. Je ne sais pas comment dire, madame Mokli, madame Bouffonli. Même les êtres humains qui sont en bas, si tu fais Mokli, tu fais. Vous avez besoin de patience. Est-ce qu'ils ont dit ou senti comment dire qu'ils ont une crucifié ou la croix? Est-ce que vous pensez, vous trouvez, comment dire, aujourd'hui, Banane prend au travail, au projet, il prend tout ce qui concerne la vie, Banane fait une crucifixion ou la quoi? Banane peut taper contre, Banane peut taper un coulou, Banane peut taper un contre, le projet, le assignment, peut trouver un défaut, le projet qu'il veut faire, peut trouver un défaut, comment pour tailler le code? Est-ce que vous sentez comme ça? Et prends patience. Vous voyez qu'il faut que ça prenne patience ou résurrection peut venir? Prends patience, le jour de la résurrection peut venir pour. Je te déjà connais qu'elle a réussi? Ok. Dans ton beau, Jésus tient la patience. Explique-nous ça, pasteur Vacha. Comment dans ton beau, Jésus tient la patience? Comment t'expliquer? Hier, en fait, Jésus, le Fils de Dieu, lui-même, il a vie. Lui-même, il a résurrection. Mais, still, il attend 3 jours avant de ressusciter. Il n'est pas. Tu sais, il fallait. Quand je suis passé la patience, tu sais, il fallait tout de suite. Mais, comment je le mets? Il est sorti tout de suite. Il est rentré, sorti. Mais non, il. Même si lui-même il a vu l'incarnation 3 jours, l'incarnation fulfill the word of God. Amen. Parce que la Bible, scripture, c'est dire après 3 jours il pourrait ressusciter l'incarnation et la patience qu'on attend. Amen. Ces 3 jours pour les ressusciter. Grand et patience, ça Jésus l'a énoncé. Grand patience. Maintenant, mettre sur l'écho là-bas, Jésus n'a patience. Roule sa rosta devant lui, peine la lumière soleil, peine lui dans le noir là, sur l'écho dans le noir du moins, il a patience. 3 jours après il sort aussi. C'est bon. Peuple de Dieu, est-ce qu'il. Vas-y. C'est patience, le soleil est super plié en dents. Ouais, c'est mon remorque. Ouais, ça va chavoir un top. T'es mal, tu as patience. T'attends, les pluies soleil. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui a fini la blanche, qui pense ça là. Qui a fini la blanche, qui a dit un gars de tout CO, vous avez plié l'inza. La patience, on va faire pour plier tout ça dans l'inza, après, on va mettre de l'amour. Hé, allez prendre patience avec Jésus, allez plier l'inza aussi. Ah, on a besoin de la patience. Tu connais Jésus, c'est la patience concernant choisir son disciple. Je ne vais pas trouver Jésus-Christ vite, dégazé, n'est qu'à choisir son disciple. Quand Jésus, même dans un seul jour, Jésus pense à tous les deux disciples. Petit à petit, Jésus fait grandir sur l'équipe. Il n'est pas pressé. Mais qui fait vous peut presser pour choisir du monde pour marier? Qui fait vous payer ou impatient ou peut presser ou pour prendre un moment pour choisir du monde dans l'équipe? Prends le temps qu'il vous a. Priez avant ou gagne ou investir, avant ou gagne ou investisseur ou gagne un supplier. Priez, attends les bons dieux, qu'on attend les bons dieux. Alors Jésus-Christ, il comprend le temps qu'il vous a. Patience quand il choisit sa douze. Et quand il finit de choisir sa douze aussi, il tient la patience vis-à-vis de Banna aussi. C'est ce choix ça. Et là, moi, j'avais posé des trois questions. Mais tiens, moi, je choisis Pasteur Vacha pour marier et je choisis pour marier lui. Pasteur Vacha choisit pour marier moi. Mais puisque c'était nos choix, ben nous avons la patience, c'est-à-dire. Personne n'a pas de fausse, nous. Personne n'a pas de fausse désir pour qui Jésus choisit. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Bartholomew, tout ben André et tout. Mais puisque Jésus est un con choisir seul, mais quand je peux faner, quand je peux couler, quand je peux taper contraire, quand je peux avoir une question qu'on va dire bidon, quand je peux, notre qualité, l'approche, pendant ces jours qu'ils ont été avec Jésus, Jésus tient la patience avec eux. Ou besoin du monde macho, ou besoin qu'à montrer quand on fait un choix, ou une impatience, ou qui peut penser, disons, pour divorcer, pour séparer, c'est pas qu'ils histoires, moi, peut dire là, moi, peut causer avec vous-même, là. Ou qui peut penser, on finit, on prend une petite, bon, écoute, si Michel a tout coup de prendre couteau, pique dans la gauche, pique avec vous, et coupe la veine, puis boit au 10 ans, vraiment littéralement, au besoin qu'il plie. Hein? Si Dimona possédé, bon, parlez-moi, il roule la roue, il tape où, il perd ta soule, il peut prendre l'auto, il peut piler où. Ça peine la vie, ça. Le gouvernement Maurice filmait un cadre légal pour capable cause, d'en faveur à sa bonne cause, là. Hein? Vous pensez, Dieu est sage, à cause ça, il filmait sa bonne procédure, sa bonne framework, là. D'accord, ne pas cause là, mais cause pas pointi oui, pointi non, le ça qu'il ne peut dire là. Il dit bon, me balance ce qu'il me peut dire. Alors, quand Jésus choisit son disciple, il tient la patience. Devant persécution, on trouve Jésus patient. Un sadducéen persécute lui, un pharisien persécute lui, un juif sur la case persécute lui, persécution venue à droite, persécution à cause de manger, ben la persécute lui, à cause de pas manger, ben la persécute lui, persécution venue partout. Jésus tient la patience.
Est-ce que vous pouvez persécuter à travers vos maris ou femmes? Moi aussi, mari, mon papa, plutôt, tu peux t'apprendre à l'ONU. Quand on a l'église, famille, tu peux t'apprendre à l'ONU. Que tu n'as pas chance qui vise. Mon papa peut changer. Demain, il peut dessouler. Il peut un bon papa, il peut aller au travail, il peut nous manger demain. Tout correct, demain, il peut badiner, nous pourrir demain. Aujourd'hui, qu'il est aujourd'hui, qu'il est capable sur l'état comme ça. Pareil, oui, au monsieur ou madame, c'est comme ça, aujourd'hui, ce soir, capable de cet état-là. Mais il peut changer, moi, j'ai patience. Demain, il y a un nouveau jour, il peut dormir, il peut relever demain, tout correct demain. Amen. Patience est important. Après, nous trouvons comment, ouais, ça n'est pas important pour me dire. Je connais Jésus-Christ, ben, dis-moi, dans ce propre, la case, pas tu comprends, lui. On peut retrouver ça, verset, là, pasteur Jean. Jésus, ben, dis-moi, dans ce propre, la case, pas tu comprends, lui. Gloire à Dieu, merci Jésus. Salut la patience de Jésus, laisse-moi dire, Jésus-Christ, que dit-il ça? Mais tu fais que tu revis, là, dans Matthieu de Marc. Nous, la Bible de Marc, toujours. Merci Seigneur, merci Jésus. Voilà, Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, verset 20. Vas-y, Miss Rima. Marc chapitre 3, verset 20. Et il y a une parole prophétique pour beaucoup de gens là. Il y a une parole prophétique de la part de Dieu pour beaucoup de gens qui viennent. Pour vous montrer juste une affaire merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse que bon Dieu fait montrer moi. Et ça, c'est pour vos familles. Et pour vos familles. Lequel Marc chapitre 3, verset 20. Et verset 21, je vous demande parce que chacun a ça pour moi. Verset 20. Verset 21, non. Verset 20 avant. Allez, vas-y, vas-y. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Ok. Jésus, pas capable de manger parce que tu en as beaucoup de travail, tu en as beaucoup la foule, tu en as beaucoup de réunions, tu en as beaucoup l'administration, tu en as beaucoup d'affaires qu'il a besoin de faire. Correct. Prochain verset. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. He is out of his mind. Il est hors de sens. Souligne Saint-Écoumis Rima, il est hors de sens. Souligne aussi le mot les parents de Jésus, et puis là même là dans le verset 21, et puis souligne aussi le mot dire. Quand il dit, voilà, je peux dire. Il disait, il disait, il disait. Peuple de Dieu, me pose, tout le monde dit qu'il avait une question là. Est-ce que Jésus tient un grand frère? Est-ce que Jésus tient un grand frère, Miss Rima? Ou bien est-ce que Jésus tient un grand cerf, Miss Rima? Moi, je te connais. Moi, on connaît Jésus, pas tient un grand frère, pas tient un grand cerf. Comment nous connaissons l'inné avant? Exactement. Puisque Marie était vierge, il était enfant de Jésus. Jésus, c'était premier-né. Nazaréen, Jésus est le premier garçon qui naît, de sorte que Jésus appartient encore au grand frère ou bien grand sœur. Automatiquement, ça veut dire tout bon frère et bonne sœur qui vient après, le petit petit. Le petit petit, tu peux comprendre la miserie. À ce là, petit frère pour venir, petit sœur qui vient, et que je peux dire? Petit frère, tu sais qui peut venir dire pasteur Vajan? Il est fou! Dans la Bible, CEV, il dit, he's mad, he's out of his mind. Petit frère, tu sais, petit dans la case pour venir vous dire, he's crazy. Voilà. Enfin, monsieur, vous connaissez comme un dîme. Quand on peut faire l'œuvre de Dieu, quand on peut mordre d'après parole bon Dieu, et quand tu me donnes propre la case, je dis, ça les fout, mon corps, ça. Ou bien impatience. Non? Mais ce m'a fait même l'école des enfants, peut faire même l'école des enfants. Lundi, il n'y a personne pour faire admin zoom. Il dit, oui, pasteur, pour faire admin zoom. Pas encore manger, non, rien. Mercredi, il n'y a personne. Il dit, pasteur, pour faire admin zoom. Pas arrivé, je vais donner un exemple. Je vais me tisser à dire, ça, mon corps, il faut ça. Autant de pour faire, il y a du monde qui a fait ça. Quand le temps de ces affaires-là, vous avez patience. Moi, pas tout Jésus-Christ, il est la voix. Moi, pas tout Jésus-Christ, il est la guerre. Moi, pas tout Jésus-Christ, il répond banal de façon brutalement, brusquement. Non, 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 non. Jésus tient la patience. Vous êtes la moussaillée. Ou bien, il y a une affaire qui appelle la patience vis-à-vis ceux ou celles qui habitent dans vos propres cases, qui tapent contre le haut, à cause où vous pouvez servir bon Dieu, à cause où vous pouvez persévérer dans l'Église, à cause où vous pouvez chercher d'abord le royaume de Dieu, à cause où vous pouvez accomplir ce que bon Dieu finit appelé pour accomplir. Un jour, on a pour rendre compte, pas au bon petit frère, au bon petit sœur, grand frère, grand sœur, on a pour rendre compte, bon Dieu, un jour. Vous tenez, je lui amène.
Moi, je trouve, oui, parfois comme un démon dans la famille agit immature, manque maturité, pas plus qu'à handle ton agenda, pas plus qu'à manage, pas plus qu'à contrôle ton emploi du temps. Tu connais parfois un démon pique toi parce que je pas plus qu'à contrôle toi. Tu connais que faire ma maladie à ça, tu fais là, bien ma maladie à gauche, ou bien papa là, à gauche, ou bien tu fais là, parce que maman, mais papa là, pas plus qu'à contrôle sur les temps qu'il y a, parce que quelqu'un là, il connaît, il a des affaires pour lui faire dans l'église, il donne une parole, il a envie de nos paroles, engagement qu'il finit de faire. Gloire à Dieu. Ou bien la patience, on fait un c'est parce qu'il m'a besoin de faire. La patience, la patience. N'a pas répondu ben là négativement. N'a pas répondu ben là brutalement. Non, non, non. Je te dis, j'ai besoin de la patience. Je te peux pas me dire. Je te dis, j'ai besoin de la patience. Et il est capable d'aller, il est capable d'aller à l'église aussi. Une fois, je me rappelle, elle m'a fait une soeur dans l'église, vient pas devant pour apporter une exhortation. Tu les quoi, quand il finit dans sa place, elle le tient, j'allais. De toi, tu es trop spirituel, pasteur, toi, pour dire des affaires de micro, c'est-à-dire. Ça montre immaturité devant du monde, parfois. Au contraire, tu besoin de dire, et c'est un fait extra, bien Dieu, bénis-toi, tu parles bien plus loin encore. Ça que tu besoin de dire. Et là, moi, les causes que tout le monde leader dans l'église, ou bien n'importe qui s'en a, quand pasteur donne des affaires pour faire de l'église, ou bien on a des affaires pour faire de l'église, les autres du monde, ils piquent pique ils tapent contre le haut, ils disent toujours quelque chose au haut, hé, monsieur, madame. Tu as patience, laisse mon Dieu faire son travail. Vous connaissez qu'il fallait pédia ou ça? Parce qu'il est jaloux. Vous connaissez qu'il fallait pédia ou ça? Parce que sur les quais, gros, quand il trouve vous faire ça. Alors qu'un pied, il y a un lexi, il y a un coutros, il va dire, aïe, mon gars, j'ai mal dans mon bronze. L'année prochaine, je ne vais pas pour donner un fruit à ce terre. Aïe, mon bronze, il y a un coup de mal. L'année prochaine, je ne vais pas pour donner un fruit. Non, 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 non. Pied là, il connaît, il y a un pied. Te demande coup de trosse, te demande coup de bâton, maman pour donner vos fruits, parce que ça c'est pour la, ça c'est la raison qui fait bon Dieu créer moi. Ou si vous avez fait pareil, this is the reason why I was born to serve God. Ça c'est la raison qui fait mon élo salaté là, mon un but, mon une raison, une mission, une assignment pour moi qui bon Dieu fait de mettre le salaté là, moi pas accomplir les peu importe qui arrive. Ou comment en tant que pasteur, je ne peux pas taper contre elle au moins, parce que ça va chaque année. Je respecte, je ne peux pas dire à vos yeux de promener, non, je ne peux pas à vos yeux de promener. Je respecte ce qu'ils ont dit. Je ne peux pas défendre mon caisse avec Dieu de moi, bon Dieu va défendre moi, je te dis amen. Maintenant, qu'est-ce qui parle maintenant pour Dieu? Ça va même maman, sa même maman de Jésus, en question c'est Marie, sa même petit frère de Jésus, qui pas typé comprend maturité spirituelle, qui pas typé comprend l'importance, pas manger dans les ministères, ou bien il ne rattènerait pas, ou bien autant peut prier, ou bien autant peut lire même la Bible, autant même spirituel, tu même plus pasteur qui pasteur, tu même tenu pasteur dans la casa. Tout cela, moi, les attentes du monde, hein. Tu même mon père qui, tu même l'église ici, même dans la casa, même dans l'église, c'est-à-dire. Allez, allez, mission, tu mission là, même dans la casa, c'est-à-dire. Ça, c'est mon tellement du monde, parfois, Jésus, ben, parenté. Parfois, dans la casa chrétienne, qui est en dialogue. Oui, parfois dans la case chrétienne qui t'étonne. Man expression, man jargon, bizarre, drôle, ils amènent une pensée, je m'en dire. Te maintenant une zézie, Astéa. Te maintenant une Joseph Marie Zézie. Enfin. Avec les apôtres 1, verset 14, quitte sa parole prophétique là, les pauvres. Avec les apôtres 1, verset 14. Vas-y, Miss Rima, aide-moi pour mettre ça à l'écran et vous pouvez passer vers ça, lire ça pour nous. Avec les apôtres 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ah bon! Ah bon, ah bon, ah bon! Souligne Sainte Commissaire Rima, mère de Jésus et frère de Jésus. Ok! Sa bonne même maman qui t'y tape contre elle là. Ah bon! Sa même frère qui t'y tape contre elle là. Ah d'accord! Je lis une ouverte. Je ne comprends l'importance de la prière. Je suis réuni et que ça s'envahit du monde au jour de la Pentecôte, mon frère Moïse. Ça va même du monde qui te tape contraire, qui me dit je suis fou, qui me cause tout ce qu'elle était causé. Ça va même du monde là. Gloire à Dieu, merci Jésus. Ah, mon micro. Sur batterie une place. Ok, merci Pasteur. Je mets ça toujours à mes coups. Ça va même du monde là. Je la vie sans elle. De la vie transformée, un toucher de Dieu, je peux faire partie de sa 100, je peux faire partie de sa 120 dimouna de la chambre où je peux prier.
Mais si Jésus pas tient patience, misrima, allez dire moi même misrima. Si Jésus pas tient patience vis-à-vis banla. Si Jésus t'y fait bride envers banla. Si Jésus t'y fait une façon difficile, une façon mondain, une façon impatient avec banla. Est-ce que nous tu trouves ban sa ban sa maman et sa ban frère là au jour de la Pentecôte passionné comme tout. Est-ce qu'il 40 jours je ne prie environ non? Pour faire un dimoun prier 40 jours, monsieur, madame, ici ça? Pour faire un dimoun réunir avec 120 dimoun, ici ça? Pour faire un dimoun réunir, qui travaille, qui tout, qui chose, reste dans l'église, en prie. C'est ce qui maintenant tu fais au jour de la Pentecôte. Nous guettons ça. Actes des Apôtres, chapitre N. Actes des Apôtres, chapitre N. Nous guettons ça ensemble. Le verset 12. Je tourne, retourne de Jérusalem. Je tourne, retourne de Jérusalem. Je ne marche un kilomètre de distance ou bien une distance, un sabbat, un jour de marche. Au cas où un dimoun marche un jour de marche, un dimoun qui n'a pas quoi, pas une conviction dans une bonne cause de café marcher, non. Ben, on est convaincu et je ne commence à marcher tout là, le verset 13. Quand je suis arrivé, je monte à l'étage d'une pièce que j'habitais, je viens pour prier. Tiens, la liste là-bas, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Bartholomé, Matthieu, Jacques, fils de Zébédée, Simon, et Jude, frère de Jacques. Tous, tu veux persévérer de commun accord. Tu veux prier avec ça là, avec ça là, avec ça là. Je t'ai prié avec ma madame qui était là-bas aussi pour montrer nous qui partent dans ces hommes qui t'ai prié. Tu ma madame si t'ai prié et pour montrer nous avec, tiens, Marie, mère de Jésus et frère de Jésus. Le verset 15, à cette époque-là, Pierre pour débuter, les pour causer avec sa 120 dimounes là et le Saint-Esprit de Dieu pour mouvoir, ben là, pour remplir du Saint-Esprit, ben là, pour parler langue. Chandarabababa. Et ben là, pour commencer à raconter les merveilles de Dieu. Mon frère, monsieur, on a une réponse? Est-ce qu'on a une réponse? Sa mari qui peut persécuter tout là, sa femme qui peut persécuter tout là, n'importe qui sera capable de manger la tête, qui peut déranger chaque fois au prier, ça même quelqu'un qui, chaque fois où on vit, fait une affaire plus pour bon Dieu, il met le bâton dans la roue, il ferme la porte, il peut aller, chaque fois, on pas connaît de qui mesure où on peut gagner un coup de persécution. Mais, pas quand tu es impatient qui te pousse en ça, hein? Jamais tu quoi, quand tu es impatient, bon, ferme sur la bouche aujourd'hui là. Tu risques de faire sur les quais, tout. Tu risques de faire sur les quais à l'évangile, tout. Tu risques, à cause de toi, tu risques la façon de faire, la façon mauvaise, bride qui te fait, cruauté, vengeance, jouer, te répondre, bride. Tu risques, en plus, l'ici, quelqu'un rempli, qui fait comme à toi. Tu as besoin de la patience. Si tu n'as la patience, même ça fait qu'il n'arrive, frère de Jésus, mon prophétisé par ton frère, par ton sœur, par ton maman, par ton papa, par ton mari, par ton femme, par ton bon enfant. Toi, c'est que tu as besoin de faire assurer, tu peux continuer, faire l'œuvre de Dieu avec patience. Le pasteur qui m'a besoin de faire quand je me rends à casa, ben, un jour, moi, baisse la tête tranquille, pas dire non, il y a un écran de grâce à Dieu, dire Seigneur, il y a une largeur pour me guérir persécution à cause de toi. Vous connaissez ça dire persécution? Un sœur, tu peux raconter moi, ce papa électricien. Et quand je t'ai la prière, papa là, cause électricien, quand il est sous la case, il prend courant, il fait courant, il met dans la pote. Je rappelle l'époque où on t'a pas tenu la pote aluminium. Comme, allez, réponds-moi, comme il peut me rappeler là, l'époque où on t'a pas tenu la pote aluminium. Tiens la pote en métal. Tiens un barreau là, un barreau. Après, tiens un vide. Tu te rappelles, mastic. Combien peut rappeler, diamant amendo. Papa là prend courant. Prend courant. Current, électricité, diffuse courant. Connectez ça avec, comment s'appelle ça là? Breaker. Après, avouer, ça diffuse le courant, là, devant, là, la porte, examen de métal, là. Comment dire, quand on venir après l'église, il y a un coup de courant. Oui, vous pouvez dire où? Ça peut être persécution. Ou mari, ou femme, ou il me dit, il fait ça avec vous? Non. Ça, qu'elle est dans ce persécution de cette façon. Moi, mon papa, ça m'a fait ça. Peut-être qu'on ne dit pas que tu es électricien. Mais là, quand papa l'a levé, il tient courant, normal, il tient courant, il garantit qu'il a levé pour lui vers la pôle, et la famille là, qui t'y gagne persécution là, tous les soirs, dimanche, elle restait côté de notre famille, après, quand matin, bonheur est venu lendemain, parce que je connais du monde là, pour bien ouvrir la pôle, pour y aller à la toilette, pour lui faire ce bon affaire. Anyway. Là, moi, je peux montrer comment la patience est importante. Et aujourd'hui, ça même frère là, moi, je peux dire, ça même papa l'a vu de l'église. Devant moi, les mines l'église, mon prier pour lui, mon pose, amen, lui, mon prier pour lui. Et bien, tenez pour baptise, dit tout. I connect and I receive. Ça a été bon, j'ai là, nous servi. Il n'y a pas quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui vous parle en langue. C'est que vous connaissez que ça arrive dans les Apôtres, chapitre 1, ben là, tu racontes les merveilles de Dieu. Je prophétise dans la vie, tout le monde qui me persécute tout. Je vous raconte les merveilles de Dieu. Et je connais ça, jour qui, ben là, raconte les merveilles de Dieu dans les Apôtres, chapitre 2. Vous connaissez qui arrivé, ça jour là? 3000 du monde convertis, monsieur, madame. Aïe, 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 aïe. 3000 du monde convertis? Mais si tu fais bride, si tu es impatient avec ça du monde là, si Jésus t'y fait bride, t'y fait une mauvaise façon, si Jésus t'y fait comme à Pierre, t'y as couteau coupe aux oreilles.
Hein? Beaucoup plutôt la langue, là, tu causes mon causé, beaucoup plutôt la langue, toi, avec Dieu, mon fou. Il parti pour qu'à Dieu merveille de Dieu. Et bien, Dieu parti pour donner celui qui à Jésus. Frères et sœurs, vous êtes tellement bien. Jésus tient beaucoup de patience envers vous. Hein? Une petite douzaine de patience aussi, vous bien. Non, vous avez besoin de la case. Ok, là. Bon, ça, c'était concernant parents de Jésus. Maintenant, nous allons parler des autres exemples concernant Jésus. Parce que chaque chose avec nous, Jésus, sa naissance, comment. Vous pensez que Jésus tient la patience? Si Jésus t'y né combien d'enfants avant, vraiment, avant 9 mois, élabore un petit peu, là, pasteur Jean. En fait, comment tu allais là, une pause, Jésus, quand tu mords la croix dans ton beau puis de dire, le Seigneur a patience pour attendre 3 jours pour les ressusciter, pour y accomplir ta parole que tu disais concernant Jésus. Mais pareil, Jésus, de sa naissance, tu montrais une telle patience. Où on a trouvé, tu sais, au commencement, Jésus, il n'est pas un enfant comme tous les autres enfants. Il n'est pas un enfant ordinaire, comme on peut dire. Mais, même ça, qu'on attend ce Amen. terme, ce Full 9 mois term. qu'il est atteint, pour ça, de montrer la patience pour la nature faire ce qu'elle veut faire pour Amen. qu'elle est capable de naître. Mon parole là, hein, pour une qui est enceinte. Ou qui est enceinte, ou qui a un bébé dans le ventre. Ou qui a un bébé dans le ventre. Moi, je pose la main au ventre maintenant même. Pose la main au ventre. Et moi, je vous dis ça. Bébé, tu as un bébé patient, toi. Tu es un bébé rempli de patience. Patient, gentiment, dans les qui bizarre, te pourvient de la terre. Et me prophétiser faisant ainsi. Ou pas pour faire une fausse couche, vous en faites pas pour naître prématuré, parce que vous commencez à prophétiser la patience de sa bébé-là pour l'inné dans les qui bizarre. Ou pourquoi faire ça pour moi? Pourquoi faire ça pour sa bébé-là, sœur? Je bénis vous. Nous continuons? Voilà, les montrer la patience pour y atteindre ce terme, ce mois que vous êtes né. Et les nés, voilà, les natales. Et même pour Vinsolisier, pourquoi Jésus, quand il met Vinsolisier en gros, il est sorti comme ça, en gros, il pégait partout. Jésus, non, tu vois, même pour Vinsolisier dans la terre, quand il naît comme un baba, il tient la patience. Non, c'est que mon père Djaou, c'est Jésus-Christ, il tient la patience, il waited for nature to have its full course. Et quand ça quitte pas. Jésus ne qu'on attend pour qu'il la nature et dans tous les temps qu'il vise. Je dis du monde refait mes affaires contre nature. Mais du monde. Refaire des affaires contre nature. Pressé, pressé, on vit des affaires. Enfin, monsieur, pas faire des affaires contre nature. Pas faire des affaires contre nature. Attendre la nature, pense, sinon, ne pas qu'à prendre une poule, qui a encore une baba poule, un petit poussin qui a encore, comment dire, une volaille. Je connais des volailles. Mais des benzénés, mon copain connaît ça, le mot volaille. Ça, des volailles. Parce que, je ne sais pas connaître ça, des volailles. Un petit jeune homme poule, un petit zénès. Un petit teenager. Un petit teenager poule. Tu connais un petit poule, comment dire, un petit alliette. Volaille. Quand tu tiens ta volaille. Ah, tu passes un basse-cour, que toi. Quand moi, tu tiens un basse-cour, tu tiens un lapin, tu tiens un duck. Moi, je dis duck. Tu tiens un canard, tu tiens un lapin, tu tiens un poule, tu tiens un toutou, tu tiens un sap, tu tiens un cabri, tu tiens un vase. Poisson, non, poisson bon, nous sommes venus, tu cuis, tu manges. Poisson vivant, nous pas dit, nous pas. Ah, c'est là qu'il passe Romine, mais un peu poisson vivant. Anyway. Peuple de Dieu. Jamais mon maman, il prend un petit poule, un petit volaille, il dit, attends, toi, tu te trompes, mon fait, t'avais une grande seule coup là. Mais t'as un piqué, il dit, bouf, il gonfle un seul coup. C'est ce qui nous tendait du monde faire, je trop de faire, une poule grossit vite, 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 mais ben, hormone, ainsi de suite. Non? Non, si vous êtes un business, hein, vous êtes un business, pas dire pasteur. Tout le monde peut faire ça, laisse-moi aussi faire ça. Maman, tu peux encourager, suivre l'exemple de Jésus. Ou pour donner un meilleur produit, ou pour donner un meilleur rendement, ou pour donner un meilleur produit, ou pour top quality. Et du monde pour content au business, c'est que vous pouvez donner, c'est que vous pouvez vendre. Quand vous pouvez faire un arroui, vous pouvez faire un. Vous avez envie de manger un gâteau arroui. Quand vous pouvez faire un arroui, vous pouvez faire un gâteau piment, laissez frire bien. C'est ça que je veux dire. Let nature have its full course. Hein? C'est ça que je veux dire. Gloire à Dieu, merci Jésus. À nous trouver comment Jésus-Christ, lui-même, en tant que bébé, il n'attend, il ne connaît, il n'attend. Déjà, moi, Jésus-Christ, quand il attend 30 ans. Pourtant, Jésus-Christ remplit. Moi, commence à prêcher à l'âge de 12 ans. Et mon vin pasteur à l'âge de 21 ans. Et mon premier message que mon prêché international,
c'est 18 ans. Mon premier voyage international. Comme on est en Inde pour étudier, j'ai eu l'occasion de prêcher mes sens là-bas, faire cellule là-bas, prêcher dans l'église, dans la convention là-bas. 18 ans, Dieu n'a pour moi sur la grâce, je suis un speaker international. Pour Chennai, tu as une place dans l'Inde. Jésus, dit-il bien capable, et Jésus plus 5 qui Ashwin. Hein? Ça, je peux dire où en passant, si vous ne connaissez pas, je peux dire où Jésus-Christ plus parfait qui passe à Ashwin, Jésus-Christ plus capable qui passe à Ashwin, Jésus-Christ est dans toute compétence qui est bien Jésus, il plus, Jésus, dit Jésus. Je ne pas même qu'à comprendre moi avec Jésus. Mais pourtant, Jésus n'attend à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, pour lui rendre dans le ministère, pour lui prendre son baptême, pour lui rendre totalement dans le ministère comme il se doit, pour lui reach out Benjamin qui est perdu, pour lui montrer son puissance, son règne, pour lui commencer à prêcher, il y a pour la guérison. Qui fait mon petit ça, Pasteur Vachat, pour que Rodien de Bankiken n'a pas pressé pour rendre dans le ministère. Il y a des gens qui m'ont vu d'église, le pasteur peut prêcher. Ah, monsieur, vous connaissez lire? Ça, moi aussi, je peux faire ça. Non, on n'a pas compris. Pas comme ça que je fais ça, moi. Attends. Moïse, il attend 40 ans, quand il est après, il attend encore 40 ans, 80 ans. Je ne peux pas dire qu'il attend 80 ans, pas ça, je peux dire. Je ne peux pas dire qu'il attend des trois bananes pour aller prêcher la parole de Dieu pour gagner un bon du monde. Je peux cause ministère ici, là. Je ne peux pas cause, bon Dieu appelle nous tout pour aller prêcher l'évangile, ça, le moment qu'on dit, ou capable d'aller, c'était là, même après Jésus-Christ, c'est Benjamin, Richard Benjamin. Là, je peux cause pour aller baptiser du monde, je peux cause ministère, je peux cause un peu plus ministère, là. Je ne peux pas croire personnellement, les sages, comme du monde, ils ont accepté Jésus, lendemain, il y a l'ouvert de l'église, une dénomination. Je trouve ça sage, allez, je l'esprit dans eux, peut témoigner, oui, ils ont fait ça, ça. À moins que c'est fait avec une supervision qui ken. Je ne comprends pas ce que je peux dire là, vous êtes. Allez, pas mal interprété ce que je peux dire. Moi, tout Jésus-Christ, il y a la patience dans le ministère. Patience, c'est une grande affaire dans le ministère. Jésus-Christ, il y a la patience qui besoin. Dans l'équipe, il y a un trouve ministère guérison, ministère délivrance, apparaître devant le gouvernement, apparaître devant le ministre, apparaître devant la cour, apparaître faire face à une persécution, une mange en lit. La patience, c'est une grande affaire. Jésus-Christ, il montait la patience quand Marie et Maud, Tidjali, Lazare et Maud. Après, il prend sur les temps. Il attend un petit peu plus. Après 4 jours, il est là, il irait aller. Il a besoin de patience pour exercer. Il a besoin de patience pour exercer. Gloire à Dieu, merci Jésus. Là, mon écrit, bon, nous avons un exemple direct de la Bible. Marc chapitre 1, verset 1. Nous avons ça. Marc chapitre 1, verset 1. Allez, Miss Rima, nous commençons avec Marc. Marc chapitre 1, verset 1. Merci Seigneur. Marc chapitre 1, verset 1, la Bible dit, ça c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le verset 2, parce que chacun a lu pour moi le verset 2. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est intéressant. La connépécose messager, c'est qui pour préparer ce chemin? Jean-Baptiste. Parce que entre Jésus et Jean-Baptiste, combien est moins différent, sinon? Il y en a 6 moins différents. C'est là qui était né avant, Jean-Baptiste ou bien Jésus? Non, Jésus en tant que le roi des rois, Seigneur des seigneurs, non, Jésus en tant que sauveur, non, Jésus en tant que Dieu, Jésus. Mais il n'est pas en compétition avec Jean-Baptiste. Il dit, Jean-Baptiste, moi, je n'ai pas de chance, bizarrement. Jean-Baptiste, né avant moi. Une façon de parler, ça. Hein? Est-ce qu'il a sa qualité d'humilité là? Est-ce qu'il a sa qualité de patience là, dans nous? Oui, il nous besoin, non? Sa qualité d'humilité, sa qualité de patience là, dans nous. Le besoin, non. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Allez, me poser une question. Pasteur Vachan, qui c'est là qui te rend de public ministry first? Jésus ou bien Jean-Baptiste? Autant patience à Jésus-là, non. Il laisse les autres du monde rendre au Facebook avant, il rentre au Facebook. Autant patience Jésus, non. Il laisse Jean-Baptiste aller en public, démarre son ministère, établit son ministère, set up son disciple, gagne un follower, grand la foule venue pour Jean-Baptiste. Autant patience Jésus là, et non. Il est Jean-Baptiste fini, démarrer lui. Après, il est venu pas d'ailleurs. Alors, vous savez, on dit la patience. Bien la patience dans le ministère. Le ministère, c'est pas une compétition. Loin de là. Dieu connaît mon équerre, Dieu connaît Pasteur Vachat sur l'équerre, jamais nous sommes en compétition avec qui que ce soit. Ni quand nous mettons nos backgrounds pas derrière de l'église, ni quand nous mettons pavillon de l'église, ni quand nous pouvons faire un acte of love qui bon Dieu vient faire, quoi que ce soit qui bon Dieu fait mettre dans nos cœurs, nous ne pouvons faire pas avec compétition, jamais.
Parce que bon Dieu ne nous assignement. Mais pourquoi nous tirons ce bateau avec compétition avec un kiken? Nous tirons ce bateau là qui fait. Parce que ça, c'est que bon Dieu nous fait. Tout ce qui ne peut faire que sur l'église Mokam et l'église Montagne Blanche, pas par compétition, nous peut faire ça. Du monde capable d'interpréter par compétition, du monde capable de trouver nous comme un compétiteur, du monde capable de trouver nous comme une menace, du monde capable de trouver nous. Ça, je te rends compte avec bon Dieu comment je trouve nous. Mais nous peut trouver comment nous pouvons une bénédiction pour eux. Je te dis Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Ah oui, c'est que mon contact avec Jésus, c'est il y a un démon rempli de patience. De ce qu'il s'agit, Jean-Baptiste parle devant lui, parle avant lui. Parce que ça va dans Marc chapitre 1, le verset 10. Marc chapitre 1, verset 10, mon premier ministre, tu peux mettre ça sur l'écran. Galiléen, tu peux pour nous? Marc chapitre 1, le verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Comment est-ce que le Saint-Esprit fin descend l'eau Jésus? Comme une colombe. Sur une sainte comme Miss Rima. Voilà, tu vas suivre là. Miss Rima, comment le Saint-Esprit de Dieu présente lui-même ou bien fin survenir l'eau Jésus de sa contexte là? Comme une colombe. Et là, tout de suite, quand on peut étudier ça, on peut faire ça l'étude là, Miss Rima, bon Dieu, dirige-moi. Mon agit un coup, qui animaux plus vite? Qui oiseaux plus vite? Je rentre le Google, je tape fastest bird. Fastest bird. Si vous pouvez moi online, je donne une permission. Je donne une permission, ouvrez un browser, tapez le Google fastest bird. Et je vous trouvez dans Wikipédia, the fastest bird, lien peregrine falcon. The falcon family. À cause ça, beaucoup de jet privé. Je l'appelle Falcon. Jet privé veut dire avion, avion, avion. Avion personnalisé, privé, côté un petit du monde qui roule bien vite, qui roule bien là-haut, avec une vitesse sonique. Voilà, supersonique, elle bien vite. C'est-à-dire, si un avion depuis Maurice parle en Angleterre, il prend 12 heures de temps, avec sa avion supersonique Falcon là, dans 6 heures de temps, on va finir en Angleterre. Parce qu'il y a un vol plus là-haut et elle plus vite. Et je l'appelle ça un type avion là, Falcon. Je vous trouvez là-bas ce horizontal speed, vitesse qui allait en horizontal, vitesse qui allait c'est 110 km par heure. Vitesse qui allait horizontal, 110 km par heure. Sans compter vitesse qui descend en bas pour lui prendre un affaire, il est bien plus qu'il ça encore, bien plus qu'il 100 km par heure, bien plus. Pour montrer toi que si un falcon tient pour descendre au Jésus, chou, sa vitesse là. Mais Jésus pas intéressé à gagner vite vite. Qui descend au Jésus? Comment? Comme un dauphin. De toute cette gentillesse, avec tout ce temps, il me prend gentiment, il vient. Enfin, moi, c'est là, je trouve comment Jésus-Christ, pas me demande le Père, pas me fait un deal avec le Père, dégagez, dégagez de moi. Demande ça. Pour moi, pas besoin d'avoir une dove, avoir un falcon. D'ailleurs, nous, tu finis avec falcon, nous connaissons qui vite si aller avoir une salle. Non. Pour dire qu'il y a une affaire, il y a un cadeau de Dieu, il y a un don de Dieu, il y a un gift of God. Il est important qu'on ait la patience pour lui manifester. Imaginez-nous si un évangéliste ou bien prêcher, mais c'est moi ou impatient ou impatient. Et moi, c'est là. Tout de suite, tu as l'appel évangéliste ou bien tu as l'appel le ministère de healing anointing, comme on appelle le ministère de guérison, peut suivre toi. Mais si tu es impatient, il n'est pas bon. Tu as besoin de patience. Patience, c'est important. Nous guettons Marc chapitre 1, verset 9. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Tout cela pour montrer aux autres systématiquement comment Jésus t'y remplit de pas. C'est même que Jésus nous dit, nous guettons tout à l'heure dans. Qui verset nous tu rigoles? Timothée? 1 Timothée. Ouais, 1 Timothée nous tu rigoles comment la Bible dit Jésus-Christ t'y remplit de patience et ça vient de l'exemple pour nous. Ben nous aussi nous sommes remplis de patience, un hein, exemple. Marc chapitre 1, verset 9. Allez, vas-y. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Mais pour Eliali, et que mon pasteur Vachon explique-nous comment Jésus est patient dans ce contexte-là. Je vais dire en créole. Jésus est sorti de Nazareth, l'invini. L'invini pour prendre baptême. Là, quand Jean peut baptiser, et l'invini pour gagner le baptême de la part de Jean, pour donner le baptême, pour baptiser dans la rivière Jourdain. Pasteur Vachon, explique-nous comment il a la patience là-dedans, dans sa. En fait, encore une fois, vous trouvez patience que Jésus est là. Pourtant, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Seigneur des Seigneurs, mais quand on arrive là pour les baptiser, les pannes des mônes, les pannes faire un
fait meeting avec Jean-Baptiste, ouais. Je veux dire. Il n'est pas exigé qu'il est la seule personne à être baptisée ce jour-là. Un VIP treatment. Exactement. Non, au contraire, les tout, parce que la Bible peut dire plusieurs fois du monde qui l'a tué, que Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste tué, attend ce tour pour qu'il les mêmes bien baptisé, l'attend dans le week-end, puis avoir les plus autres baptisés pour les baptisés. Jésus passe dans la foule là, et dans la foule devant lui, il attend ce tour. Okay. Je ne peux pas comprendre un chrétien qui est impatient. Je peux causer avec vous-même qui a le travail là. Hein? En fait, si vous ne connaissez pas, avec vous-même, vous pouvez causer qui a le travail dans le tour. Avec vous-même, vous pouvez causer là, qui bloque Verdun, qui bloque Réduit. Oui, ou pas que tout camarade, pas que tout frère, pas que tout sœur, pas que tout madame. Ou même, vous pouvez causer là, qui bloque dans Flac, qui bloque n'importe quoi, ça va bloquer. Chrétien a besoin de patience. Non, ne pas supposé être reconnu comme un patient. Ah, yo, pasteur, qu'est-ce qu'il m'a besoin de faire? Regarde-moi qui m'a fait. Moi-même, mon message, m'écouter. Et pas ça, c'est une prêche beaucoup, lui. Souvent, le message, il est à 30 minutes, il est à 20 minutes. Dimanche, c'est une prêche, il est à 40 minutes. Ou mettre ce audio, jouer où? Depuis pas 5 minutes, comment se causer? De vous trouver, depuis lui dire amen, au revoir, dernier lettre, de finir dans notre bureau. Non, patience, c'est important. La patience, c'est important. Tu es tout le monde en tant qu'enfant de Dieu. Le besoin de la patience. Gloire à Dieu, merci Jésus. Là, comment Pasteur Bacha finit d'élaborer, Jésus tient la patience quand il allait pour prendre baptême. Il n'est pas demandé une réunion spéciale avec Jean-Baptiste. Il n'est pas dit à Jean-Baptiste, book ton calendrier juste pour moi. Il n'est pas dit à Jean-Baptiste, traite-moi comme un VIP. Jean-Baptiste assuré qu'il avait été un bodyguard. Tiens, tout le monde est bien à la rivière là. Je ne parle pas de la rivière là, senti pire, bien sale, bien la boule, hein. Comme au venir, tout bizarre propre, tout bizarre dans l'eau, là, vraiment baptisé tout seul. Non. Jésus ne rend même de l'eau que tout le monde est rentré. Jésus tient la patience qu'il besoin. Aussi pareil, monsieur, madame. Ou besoin de patience dans la vie quotidienne, surtout vis-à-vis de la foule. Vous parlez de quotidien dans la foule devant vous, quotidien besoin d'attendre, de n'importe qui bureau, n'importe qui démence, vous pouvez faire. Et quand vous avez patience, bon Dieu pouvait la peau. Ça, moi, vous pourrez ça bientôt. Il y a beaucoup de fois, des arrivées, vous pouvez mettre l'arqué pour une affaire. Prochain cacheur, ou bien prochain bureau, ou bien à côté, dire, venez, monsieur. Venez, quand vite, vite, vous rentrez là-bas. D'ailleurs, pour souvent, des arrivées, nous, ça. La patience, si tu es non, bon Dieu pouvait la peau de te faire rire. Quand nous tient la patience, tu es dans le bateau là, bon Dieu, tu vas la peau de bateau là, et tu sortis. Maintenant, je vous amène. À cause des temps, laisse-moi terminer là. Merci Seigneur, merci Jésus. Marc chapitre 1, verset 11. Vas-y, Miss Rima, Marc chapitre 1, verset 11. Vas-y, Pasteur Vacha, oui, Kaliali. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Vous connaissez qui passe Vacha, vous connaissez qui bon Dieu fait le montement de sa verset là? Ou d'accord, moi Jésus-Christ s'y connaît. Allez, moi pose une question. Qui title, ou bien qui phrase, ou bien qui affaire bon Dieu fait Jésus là? Merci. Mon fils bien-aimé. Voici, tu es mon fils bien-aimé. Comment il dit ça en français? Verset 11. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé. C'est un title de Jésus. Jésus dans sa title là. Qui est le title Jésus là encore? Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Prince de paix. Emmanuel. Vous voyez la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, moment toujours dans les affaires. Une minute. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 2, moment toujours dans les affaires. Verset 36. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Et Jésus, tu connais cette title-là pour lui, ça, hein? Nous avons dit un petit coup, Miss Rima, nous avons gagné ça dans l'écran. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 26. Média français. Dites qui title Jésus, il gagne quand il est ressuscité avec Dieu le Père. Vas-y, Miss Pasteur Vacha. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Lord and Christ. Jésus-Christ est aussi Lord and Christ. Il est aussi Seigneur. Il est le Seigneur et le Christ. Maintenant, nous retournons dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 11. Non, vous pouvez expliquer, ça fait bien pour autant là. Si vous pouvez manger, arrête de manger des 3 minutes, écoute-moi là. Écoute-moi, vous pouvez faire bien pour autant là. Lingain, bon Dieu, il dit une phrase. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais là, bon Dieu, pas dire, te pour une Seigneur, te pour grâce à tête de Satan. Qu'est-ce que ça montre, nous, ça, Pasteur Vacha? Sur patience. Sur patience.
Jésus partit assoiffé de title. Écris ça qu'il part. Jesus Christ was never, didn't have any hunger for titles. Il partit thirst for titles. Toute la patience de Jésus, là dans mon avis, dans sa moment dans mon avis là, dans sa point dans mon avis là, Dieu me dit, mon fils bien-aimé, good. Je connais qui m'a pour venir après. Si c'était là, bon Dieu, pas encore dire ça. Si la maison d'Israël, pas encore tant ça, c'était là. Pas de problème. Si dans l'église, ben là, pas encore trouve mon ministère, c'était là. Pas de problème. Moi aussi, c'est un membre de l'église, c'était là, ok. C'était là, moi aussi, c'est un pasteur, ok. Peu importe où vous connaissez, bon Dieu, il finit cause avec vous, beaucoup de choses. Ou pas pour rush, non, ou pas pour force forward, non, ou pas pour presser de non, ou pas mais trop pas le prendre. Ou pas besoin de presser de non. Ce qui me content, c'est Jésus-Christ. Et patience qu'il y ait, non. Et qui m'a écrit là. Jesus was okay. The title heaven was giving him at this point in time. Écrit ça qu'il parle. Quel travail Élisée tu peux faire? Il est choqué avec ça, lui. D'ailleurs, il s'est reconnu comment? Serviteur de Élie. Après qu'il est venu là, un prophète. Quel prochain exemple nous a donné? Josué. Josué, qu'est-ce qu'il peut faire? Vite-le dans la même Moïse. Il s'est reconnu comme ça. Après qu'il est venu lui-même. Celui qui vous prend, le leader, qui vous amène le pays. Vous savez, n'a pas pressé pour un title. Surtout de mon pays, dans le jargon, l'église, dans le contexte chrétien, là. N'a pas pressé pour un title. N'a pas pressé, n'a pas galoupé des titles. Jésus, tu connais lui. Il est le roi des rois, seigneur des seigneurs, lui-même l'alpha, l'oméga, lui-même le commencement, l'alpha, lui-même le premier, le dernier, lui-même la parole qui a été faite chair, dit-il là avant tout qui se crée pour lui et pour lui. Jésus connaît tout ça là, Jésus connaît. Il connaît les boucras à tête de Satan. Mais il connaît Tan. Et Jésus, bon Dieu, il y a une petite phrase au lit. Tu es mon fils bien-aimé, ok, j'ai mis tout mon affection. Mais une petite phrase, bon Dieu, enfin, correct. Et qui m'en écrit dans mon cahier? Quand vous êtes impatient, ou pas pour trouver la full picture. Un dimanche qui est patient, pasteur Vincent, un dimanche qui est patient, il est pour trouver la full picture. Jésus-Christ parti, un dimanche qui est patient, son lisier ouvert, il trouve bien. Un dimanche qui est impatient, il pense au lamin lui-même, il met le solisier. Qui me dit là? Un dimanche qui est impatient, il bouge solisier lui-même, il fonce sur la main le solisier. Normalement, il n'y a pas pour bien, net, clair, comme il n'y a pas pour tout ce qui est besoin, il n'y a pas pour de tout angle qui est besoin. L'impatience pour faire ça. N'a pas être impatient. N'a pas dire qu'il faut passer pour faire ça. Non, n'a pas être impatient. Il n'y a pas pour tout quelque chose. Si on mange bibas avant sur l'air, ou les dents pour grincer. Si on mange bibas qui nire, mon camarade, super. Amen. Voilà, moi, pour terminer avec ça, peuple de Dieu, Jésus-Christ, c'est un homme rempli de patience. Quand tu vis sur la terre comme un homme, rempli de patience. Title will come and title will go. Your patience need to stay. Vous savez comment dire? Je n'ai pas une affaire parce que tu es DJ. Et je vais vous dire là. Parce que tu es DJ, dire. Bon Dieu, pas dire Abraham, I will give you a great title. Bon Dieu, pas dire Abraham, I will give you a great title. Qui bon Dieu, c'est Abraham? I will make your name great. Et qu'est-ce qui te parle dans mon comments? Your name is bigger than any title. Et qu'est-ce que ça? Quand des mots là, tu peux causer concernant ça qui quelqu'un qui peut chasser des mots là. Qui ban des mots là, tu dis, mais l'esprit mauvais là qui te répond. Paul me connaît. Jésus me connaît. Toi, qui s'en a toi? Est-ce qu'il ban des mots là, tu dis, apôtre Paul, pasteur Jésus, pasteur Paul, ça qui ban là, tu dis, te trouver? Ça, c'est un joli exemple. When your name becomes great by God's grace. N'a pas qu'à l'oublier, title est important, gloire à Dieu pour ça, on va pas compte title, mais bon, le bébé d'une société, pour le bandimoun, mieux facile pour répéter, pour reconnaître bandimoun, ainsi de suite, pour le band title, on peut causer tout le travail ici, là, hein? On peut causer différents carrés, différents domaines de ta vie. Quand ton nom vient grand, quand bandimoun dit, Ajvin Ramia, pasteur Ajvin Ramia. Le Seigneur bénisse. Décide pour vivre une vie remplie de patience. Être patient avec Benjamin dans la case.
Ça même les enfants qui sont là, capables de écouter tout. Et n'ayez pas patience avec, et n'ayez pas patience avec vous, avec lui. Pour arriver à lui, vous venez une grande bénédiction pour vous. Et vous nous l'amenez droit de au travail, au ministère, n'importe quoi, ça lui capable d'aider. Ça même Marie qui est là, peut battre, puis on peut soit à l'église. Dites-moi déjà qui peut arriver. Les vous prenez des gens qui vous mettent sur chemise, sur pantalon, la dimanche. Et pour dire, toi, c'était dégazé, tu peux en comparer. Nous devons aller bonnet aujourd'hui. Parce que c'est pas nous, là. Pour arriver, ça va nous jour, là. Pour arriver, ça va nous jour, là. Amen. Être patient, mon frère, monsieur, dans la maison de Dieu. Dans l'église. Pas tout le monde qui peut faire. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez dire où. Pas du monde qui peut faire qui vient de l'église. Allez. Capable d'aller à l'église que tu as dit, n'est-ce pas fait? Je peux dire dans mon cas, dans mon temps, je peux dire travail, je peux dire à mon ange qui me croise les ailes, je peux dire bien payé de moi. Tout le monde dans l'église work in progress, nous leaders, nous assistants, tout le monde, chacun a un défaut, chacun a du tout work in progress. Nous avons la patience vis-à-vis celui ou celle qui veut faire l'accueil, celui ou celle qui est dans le parking, celui ou celle qui veut servir la Sainte-Seine, celui ou celle qui veut jouer la musique, celui ou celle qui peut occuper son sonorisation. Nous avons la patience. Ne pas qu'en avec celui qui peut occuper sonorisation là-bas. Ne pas qu'en avec Monsieur Cole des enfants. Non, nous besoin de patience. Il y en a beaucoup à investir. Peut-être la semaine prochaine, nous prédiquons la Bible. Nous besoin patient vis-à-vis les uns les autres. Amen. Alors, Dieu va nous réunir petit à sa fin là. Mon papa vous dit de prier, répéter la prière après moi pour gagner la patience. C'est pas moi comme ça. Sinon, moi, tu peux prier là, tout le monde dans mon église, tu peux la patience. Jésus, tu peux prier un seul coup, tout le monde. Ben, un fruit. On n'a pas prié pour gagner un fruit. On développe un fruit. Et c'est ça qui te parle. La patience est un fruit. Je ne peux pas prier pour un fruit ou développer la patience. Ou décider, je peux prendre une décision pour vivre dans la patience. À partir d'aujourd'hui, aide-moi, Seigneur, pour vivre patient. Je peux dire, c'est un affaire. Hein? Miss Rima, est-ce qu'il y a dans la liste des fruits de l'esprit et dans la sagesse? Ah, oui, on peut arrêter de manger, ou quand manger, c'était. Ça le dit, on a un pan de pilier pour commencer. Ou quand manger, c'était. Ça, est-ce qu'il, Pasteur Bacha, est-ce qu'il y a la sagesse, il faut une partie d'un fruit de l'esprit? À cause ça, bon Dieu dit, si quelqu'un manque la sagesse, il demande à Dieu, il peut gagner. Est-ce que la Bible dit ça pour un fruit de l'esprit? Est-ce qu'il quitte pas la Bible dit prier pour te gagner la foi? Qui fait? Parce que la foi, il vient pas ce qui te tendait, ce qui te tendait, c'est la parole de Dieu. La foi, il vient quand tu tends la parole de Dieu. Mais pas qu'à prier pour te gagner la foi. Parce que dans ce sujet, tu peux un message, l'enseignement est important. Qui l'enseignement nous peut gagner est important. Pas tout à fait, moi, qu'à prier pour vous. Pas tout à fait, moi, qu'à prier pour gagner. Moi, pas qu'à aller faire au content, faire au plaisir, juste pour faire mon labour, soit aller me dire, moi, pour prier pour te gagner un peu de patience, moi, pour prier pour te gagner un peu de la foi. Dis pas, moi, c'est ça. Un affaire, tu as besoin de développer dans toi. Moi, pas qu'à prier pour te gagner muscle. Un affaire, tu as besoin de développer dans toi. Et bon Dieu, pour permettre, dans une situation, mais devant toi, dans une circonstance, si mon cas, c'est ça, moi, là, que tu peux exercer sa patience, tu peux exercer sa foi, tu peux exercer. Le deuxième, moi, peux comprendre la pasteur Ajwin. Le deuxième, pasteur Ajwin, on peut expliquer comment un bon professeur. Amen. Alors, Dieu va la nourrir au petit à sa fin. Merci à tous ceux aussi qui font de temps, de l'attention pour écouter. Mais moi, je suis beaucoup content, mais Rima, remettre ça dans l'annonce à l'écran. Parce que, moi, penser, il est important de remettre l'emphase de ça dans l'annonce. Vas-y, Miss Rima, et moi, je vais passer à Vacha, refaire ça dans l'annonce, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, merci Jésus. Comment nous dit à Elal, comment nous, cette semaine, si mercredi, nous prenons une réunion de délivrance à l'église de Moka, en présentiel et aussi live à 7h30 le soir. Pasteur peut prêcher le Pétro Pazlo, Dieu vient Dieu de délivrance, il apporte la délivrance. Et cette semaine-ci, nous pouvons prêcher le, plutôt pasteur pour prêcher le délivré de la manipulation de Benjamin. Et prochaine annonce, c'est nos réunions de prière 3h30 le matin, lundi le 24 octobre pour le congé public. Et comme tout congé public, nous sommes à la mer, 3h30 du matin à la mer Trou de Douce. Pareil, ça lundi là, nous pouvons pour réunion de prière à 3h30 le matin. Nous pouvons aussi live. Je suis passé à la chambre, vous avez des affaires. Si vous m'avez dit, vous avez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un, peut demander, et qui fait te passer à mettre une prière à la mer, Jésus nous dit quand tu pries, rentre dans la salle, prier, répondez à mon là. Mais qui fait Jésus, il y a un petit mot de la montagne, il y a un petit prier. Qui fait Jésus, il y a un petit à la jardin, il y a un petit prier. Qui fait d'être des apôtres, la Bible dit, dans l'église, tu joins, et ben, du monde, tu joins dans la rivière parce que tu as une réunion de prière là-bas. Pose du monde à sa question là. D'aller si tu as une réponse, elle est là pour nous donner une réponse. Hein? Voilà. Ça, c'est fini, c'est notre réponse que fait NUP, Zouen, 3h30, la meilleure pour nous prier. Et prochaine annonce, c'est première semaine de novembre, le 7 novembre. Deuxième semaine. Deuxième semaine de novembre, excuse-moi. Deuxième semaine de novembre,
7 novembre jusqu'à 12 novembre, nous prenons une réunion spéciale à l'église de Montagne Blanche, 7h30 le soir, pendant une semaine. Nous pouvons prêcher le Gospel Manifeste, le title de nos réunions spéciales, et nous pouvons mettre l'emphase comment nous avons gagné Manzam à Christ, qui est aussi important de tout l'enseignement qui nous gagne, nous aussi fait nous part en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un witness de Jésus, le témoin de Jésus, et comment gagner des âmes. Amen. Pour d'abord. Alors, nous sommes capables de payer une conférence, nous sommes capables de payer une convention, nous sommes capables de payer un séminaire, nous sommes capables de payer une réunion spéciale, nous sommes capables de payer. C'est pas le nom qui nous nomme cette réunion là qui pour faire quelque chose, c'est Jésus-Christ qui pour faire quelque chose. Amen. Alors, c'est pas d'appellation de cette réunion là, c'est pas le tag qui nous mettait là-dedans. Non, c'est bon Dieu qui fait quelque chose. Alors, nous avons appelé une conférence, on a appelé Gospel Manifest. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nos prochaines annonces, nous pouvons honorer plutôt, ben anciens dans nous l'église de Montagne Blanche et l'église de Moka. Comme on a habitué à faire tous les années, ceux qui sont ben, nos citoyens à l'église. Mets ça prochaine avant là, mets ça, oui, poster avant là. Ah, voilà. C'est vrai. Donc, je peux dire pour le 13 novembre, dernier jour, nous réunions spéciales à l'église de Montagne Blanche, nous pouvons offrir à ben, anciens de nous l'église, ceux single mother, ceux qui veulent, un déjeuner et un cadeau pour moi. La Bible, il montre nous, nous disons, l'ancien, ce qui est plus grand que nous. Voilà, c'est, nous pouvons faire ça le 13 novembre à l'église de Montagne Blanche. Quand réunion finie, nous venons au culte, quand réunion finie, 8h à 10h, et puis nous pouvons faire ça. Je me demande, Miss Rima, tu es capable de mettre cette photo là? Ça, c'est une photo que tu as dans mon grand-mère, je vous trouvez dans moi. Ça, c'est un garçon qui est assisé là, c'est Pasteur Jvin. Et sa grand-fille qui est assisé à côté là, c'est Miss Moser, Rina Ramia. Après, ça, c'est mon grand-mère, ça, c'est mon amam qui est un petit bébé, mon cousin, mon amam, et puis, ce qui est débuté là, c'est mon amam, son maman. C'est ce que moi, tu peux dire, tout à l'heure là, mon connaît, moi, dans mon avis, qui ça veut dire, il y a une grand-mère, et grand-mère là, son maman, donc, tous les temps, respecter les autres, honorer les autres, nos parents finissent de montrer nous ça, et nous apprendre ça dans la Bible, et me rendre grâce à Dieu. Et moi, déclare dans la vie ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour une bande du monde qui vivent longtemps dans la vie, dans la famille. Connect and receive. Amen. Voilà, nos réunions pétillent à sa fin. Mon plaisir, Pasteur Bachar, en grâce à Dieu, avant de nous séparer. Gloire à Jésus. Merci, Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, moi, je te remercie. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce merveilleux moment, nous passons de ta présence. Moi, je te remercie, Seigneur Jésus, alléluia, pour toute technologie, pour toutes bonnes ressources de filmer à nos dispositions, Seigneur, pour nous approcher de ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour tous ceux, Seigneur, mon Dieu, qui nous connectent, Seigneur, ce soir. Je crois, Seigneur, mon Dieu, ta parole, il encourage, ta parole, il corrige. Nous, de parole, inédifiez-nous, Seigneur, mon Dieu, de parole, une de nos directions qui besoin, comment besoin faire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la sœur Rima qui nous fait admirer aujourd'hui, Seigneur, que tu investis sur les terres de ton royaume. Je crois, Seigneur, mon Dieu, sur récompense et pour grand et pour parfait. Merci, Seigneur, Jésus, également, pour le reste de cette semaine, Seigneur, me déclarer, Seigneur, il y a une semaine bénie. Tout ce qui nous a mis entreprendre, nous pour réussir la grâce, la paix de Dieu, et accompagne-nous tout ce qui nous fait dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, allez en paix, enfin, parce que la grâce l'avait déjà avec eux. Bye bye.